C'est top. Ah, je vais vous montrer celle du monstre. Nous sommes arrivés au cœur de Eisenmann, hein, Choma. Comme c'est marqué ici. Hyper la classe. Sven, hey, how are you? How did you know I got here? I heard your car. Yeah! This is my friend Sven. Hello. He's the one who made the exhaust. Well, really, I sold him to him. Yeah, he did, but he helped me. He sent us all the way to Morocco and he's so cool. J'ai vu mon ami Sven, mon nouvel ami Abdrahman qui vient de Tunisie. Bonjour. Il est hyper cool, j'arrive pas à croire. Il parle toutes les langues. Toutes les langues. C'est un vrai beau gosse. Merci. Champion. Enchanté. Donc maintenant on va rentrer faire la visite. Let's go. Donc là, c'est à l'entrée. Tu vois ça. Hyper cool. Petit masque. Les pots. Je kiffe. Tu vois, ils font BM. Moi, je sais qu'ils sont très spécialisés. Porsche, BM, Mercedes. Ils font tout. Ce que vous faites, c'est que tu prends ton objet, que tu prends les pots que tu prends, que tu fais le lift. Ils prennent les mesures, ils te font vraiment la ligne spécifique pour toi. C'est dommage, ils vont ramener la BM M4, la dernière, mais... Il n'est pas encore arrivé. Et le monsieur que vous voyez, c'est le proprio, Mr. Eisenmann en personne, hyper gentil. Thank you for having us today. Thank you very much. Comme je vous disais, ça c'est le lift, ils prennent les mesures. Une fois que ta ligne, tu choisis. You still have race and sport. Yep. Tu choisis deux modes, soit le mode sport, soit le mode race. And the valves, if you want valves. It depends on the car. Les valves, ça dépend de la voiture. Et sinon, pour le... Pour les embouts, ben les embouts, tu choisis ce que tu veux. Tu vois, l'embout... Moi, je sais que je voulais deux... Je voulais pas des ronds, je voulais comme... Moi, ce que j'ai, Rakom Arftoum. Where is mine? I can't find mine. No, I don't see mine here. No, not in here. No. Yeah, le mien il est pas là, mais bon. You already know how it looks because they know my car. Alors, dis-moi, and with me, this is Mrs. Eisenmann. Hello. She's super nice as well. Thank you very much. You're welcome. For the tour. Ici, les amis, vous avez une machine de pliage. Une fois que la ligne elle est prête, c'est-à-dire quand ils m'ont fait ma ligne. À la fin, ils ont mis les pots ici, ils ont tout emballé et après, boum, elle part, ils livrent partout. Et you tout ship... assisté avec le ERP, toujours. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils peuvent envoyer les échappements partout dans le monde. You ship worldwide. Worldwide. Yeah. Pour chaque voiture, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent les mesures. C'est obligé d'avoir la voiture la première fois. Quand une voiture, elle est neuve, il faut qu'il l'ait sur place. Donc si jamais tu as une voiture qu'ils n'ont pas, ils peuvent te la faire gratos quand tu ramènes parce que ça va les aider à prendre les mesures. Ensuite, ils ont ces gabarits ici qu'ils laissent et c'est ce qu'ils utilisent pour faire la soudure. Et ils ont tous les modèles. Je ne sais pas, je peux vous montrer celui que vous aimez beaucoup. E92 M3 USA. Et... Ouais, tu vois, ils ont tout. C'est top. C'est la tienne. Ah, et je vais vous montrer celle du monstre. 7 to 12, it's the same. Donc c'est ce gabarit là qui a été utilisé pour ma voiture. Il n'y a pas d'erreur de... C'est juste à 100%, c'est précis. Made in Germany. C'est normal que ça va être précis. Oui, 100%. La classe. We do our logo with the laser. Oh yeah. You're branding the tip. Yeah. And the made in Germany. And I think I have this one on mine. Yeah. Yeah. Yeah, I think I do. Old school, it was stretched. Engraved. Oh, yeah, engraved. Yeah, avant c'était gravé, mais maintenant avec la machine. Now we have a laser machine. C'est comme si un tatouage.
Can you do it on mine? Just kidding. Just kidding. Tout est allemand, c'est chez nous, c'est spécial ouais. Eisenman, voilà. Ce qui m'expliquait mon ami Abdrahman, c'est que tout est fait à la main. Tout. De A à Z, tout est fait à la main. Parce qu'avec les robots que... et tout ça, ouais. Peut-être qu'il y a toujours un pourcentage de... d'erreur. D'erreur, voilà. Ouais. Mais avec la main et avec les yeux, toujours c'est la tradition. Un produit 100% qualité, 100% homemade. Ouais, non, c'est de la classe. Franchement, moi, quand ils m'ont envoyé la ligne, il n'y a rien à dire. Tout, il n'y a eu aucun problème, rien. Oula, c'est de la classe. C'est pour ça que je tenais à vous montrer ça. Et voilà comment ils font le soudage. Very good. Thank you. Thank you. Ça c'est la ligne d'une M2 compétition. Donc là vous voyez il y a le gabarit. So this is what you showed me earlier. C'est ça qu'ils utilisent comme ça, c'est parfait précis. Et du coup 100% avec les mesures de construction. Avec ce ouais. Gabarit là, on assure l'assemblage 100% pour la voiture. Mm-hmm. Alors il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de rien. C'est 100%. C'est ça. Ouais. Voilà. C'est comme si en fait tu avais la voiture sur place. Voilà. C'est top. Thank you. Très très classe. Ça c'est une M4. Non. Bon, je sais pas. Non, c'est une M6, je crois. Oui. Donc contre la corrosion, ils ramènent ici les. Le produit fini, ils lui font un traitement contre la rouille et tout. Ça, c'est la dernière étape. Après, dans le, cette... Dans cet endroit-là. Ouais. On va voir ça tout de suite. Okay. This is where it happens. Alors, le traitement, il a lieu ici. Voilà, on fait le lavage avant. Ah, le lavage, ouais, avec le pistolet et tout ça. Et après, avec ce produit-là, autour de la soudure, pour assurer qu'elle est contre la corrosion, tout est bien. D'accord. Après, worldwide. Après, c'est direction chez toi à la maison. Voilà. Voilà. Top. Je pense que je vous ai tout montré, les amis. Donc, si vous voulez des pots, vous voulez le bruit comme le monstre. Eisenman, it's the way to go. Alors là les amis, nous sommes dans le RD, le département recherche et développement. Les gens ils sont en train de bosser, j'espère que je les dérange pas. Ça c'est un nouveau style qu'ils ont. Peut-être que j'aurais pris celui-là en carbone, je ne sais pas. Comme ça, ça va bien avec le spoiler que j'ai. Mais non, mais j'aime bien le mien, je ne vais pas les changer. So if I wanted to change my tips that I have now, it would be possible. The Mercedes. Yeah. We had to cut off the old tips and weld on the new ones. It's not interchangeable. We have to do it on the jig because the position is fixed. So okay. It's not an easy job. It's not. No, well, I'll keep mine. But it's just I wanted to know if it was possible. Yeah, you have to return your car with the exhaust and we fit it on the car. It will be tailored to the car. Mm. So it's not doing a job only in the jig because you have these flat oval tips. Then only will have the rounds, for example, it will not fit in. So we have to do it on the car. Okay, but the car is here, so we can, if we want it. Ici. Il m'expliquait comme quoi ils ont le tour, hena. Kima kengoulim fil Maghreb, mou le tour. Hena qui sont beaucoup le chez le gabarit, les questions, tout est fait là en fait. Vous sous-traitez rien du tout. Non. Tout est fait ici. J'ai pas voulu faire. Il m'a expliqué, c'est trop technique, j'ai pas voulu faire trop technique de la vidéo parce que je pense pas que ça va vous intéresser à fond, mais je vous ai montré le max que j'ai pu. Et merci beaucoup. Donc là, comme vous voyez, c'est pas encore fini, c'est pas encore découpé. Et celui-là, c'est découpé. Vous voyez ? Et une, c'est en bas. Et après, il y a dedans les composantes. Bon, parce qu'elles sont pas. Voilà. Peut-être ici, comme ça. Et après, du coup, c'est ici, ils sont les pipes et tout ça, ah, ouais. Avec les composantes, voilà. Après, le soudage,
Il y a une platine ici, la platine là-bas, et du coup c'est le silencieux. Bravo. Ouais. Merci pour l'explication. Paul, il vient de partir, donc là c'est le bureau qualité. Il contrôle tout, que tout soit bien. Voilà, je pense que je vous ai fait le tour de l'usine. It ran, so it has the colors from the heat. 24K. Yeah. Gold. C'est du vrai or. And who installed this? We can install it, but my husband is there. Many people ordered this one. Threat not so fast. Oh. Not so many, but Americans and Russians. Yeah. Oh. On a fait le traitement de surface, c'est du or. Alors, c'est du vrai or? Non. C'est seulement traitement de surface. Ah, d'accord, c'est pas du vrai. Non. I thought it was real gold. Gold for real. It's real gold, but plated. Yeah. Ah, okay. So not pure gold. Okay, I would think if it was real gold, they would steal them, right? But it's still very expensive. Oh. I like them, it looks nice. I should be shanked, right? I put it back. Yeah. Just wherever you want. Eisenman. Yeah. Man. Alan, that's the maybe it's a nouvelle design, you see? It's not a nouvelle. Regarde celui-là. AMG, je ne sais pas si vous arrivez à le lire. Signé Eisenman, made in Germany. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils font vraiment les pots pour Porsche et pour Mercedes et pour pas mal d'autres voitures, et ils font même les cages à l'intérieur des Porsche GT2 RS, GT3 RS, et donc les cages qui connaissent l'air, qui sont bonnes. So, from us, for you. Thank you so much, my You're friend. Welcome. Thank you. Iron Man and Eisenman. I think this is the end of the video. I want to thank Mrs. Eisenman. Thank you very much. My friend Sven. Welcome. And my new friend Abdul. Thank you so much. I hope you guys enjoyed the tour here in Eisenman. If you need to order exhausts, I'll leave all the info in the description. And trust me, you're gonna love the sound. You find us on Instagram, on Facebook, and YouTube. Okay. Eisenman exhaust system. I'll leave all the details in the description. Thank you guys for watching. Don't forget to like, leave a comment, and I'll see you guys next time. Thank you. Bye. Bye-bye. Bye.